باسم احمد الخباه امين عام مساعد الاتحاد الوطني للصيد. كما تعلمون موريتانيا هي بلد مطل على المحيط الاطلسي بشاطئ يبلغ طوله 730 حوالي 730 كيلومتر، ويتمتع بثروات بحريه معتبره، تعتبر شواطئ موريتانيا من اغنى الشواطئ بالاسماك ذات الجوده العاليه. احتياط الاسماك تقريبا يقدر بحوالي 1,500,000 طن سنويا من اسماك السطح، 150,000 من اسماك القاع، 42,000 من الرخويات، و 300,000 من المحار. يعني احتياطي لا باس به، ممكن اصطياده من دون تهديد المخزون الاستراتيجي، يعني يصطاد ويبقى من الثروة ما يمكنه أن يتجدد. موريتانيا حضرتها العام كما هو العادة في الدورات الماضية حضور مميز، بحيث كانت هناك بعثة يترأسها وزير الصيد والاقتصاد البحري ومدراء مركزيين من الوزارة ومدراء عامون لبعض هيئات الوزارة كالمركز الوطني، المركز الوطني للبحوث المحيطات والصيد، وحضور للرقابة البحرية والتفتيش الصحي والفاعلين الاقتصاديين في مجال الصيد البحري، حيث كان هناك حضور كثيف من أجل استعراض مؤهلات وتعريف مؤهلات موريتانيا بهذا المجال والبحث عن سبل الشراكة فيما بين موريتانيا والمغرب، والحضور شركات الحاضرة أجنبيا لهذا المعرض. Bonjour, moi c'est Madame Vanessa. Je viens de la République démocratique du Congo. Je travaille au cabinet du ministre de la pêche et de l'élevage. C'est notre première participation au salon Aliétis. Nous sommes là, c'est notre deuxième journée et ça se passe bien. Je suis venue présenter le potentiel halieutique de la République démocratique du Congo, qui est la deuxième réserve mondiale en eau douce. Mais là-bas, le secteur de la pêche est encore pratiqué à 70% de façon artisanale. Nous sommes là pour essayer de présenter au monde entier nos potentialités, au fait, le potentiel du pays, chercher les investisseurs, contacter les entreprises, les fabrications de bateaux de pêche, parce que le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé d'industrialiser les secteurs de pêche. Il vient de signer le contrat d'achat de 6 bateaux de pêche qui seront livrés incessamment dans le pays. Nous sommes là, nous avons contacté certaines entreprises marocaines et espagnoles dans le cadre de la formation des agents, la formation des formateurs et des entreprises aussi de fabrication de bateaux de pêche pour notre pays. Nous sommes là, nous sommes venus avec quelques espèces de poissons séchés pour essayer de montrer au monde que nous avons le potentiel. Et de l'autre côté, là-bas, nous avons la carte de la République démocratique du Congo avec le plan d'eau. Nous avons aussi d'autres affiches qui montrent quelques espèces que nous trouvons en République démocratique du Congo avec les spécialités des lacs, là où vous pouvez venir au cas où les investisseurs s'intéressent à notre pays. Bonjour, je suis Odia Mamadi Kaba, directeur général adjoint Agence nationale de l'aquaculture de Guinée, du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Nous participons avec vive joie à cette quatrième édition du salon Aliétis qui se tient aujourd'hui à Agadir. Donc c'est un grand honneur d'être là. Nous avons participé avec plusieurs opportunités. Nous avons eu à rencontrer des projets, des institutions, l'AFD, qu'est-ce que l'Union européenne, avec aussi l'ANDA du Maroc, l'Agence nationale de développement de l'aquaculture du Maroc, avec lequel nous collaborons déjà.
avec dans plusieurs projets, notamment sur l'ostréiculture en milieu marin, un projet sur lequel nous comptons avoir des investissements avec l'aide de la Banque mondiale. La rencontre avec l'ANDA nous a permis de tisser des axes vraiment concrets, techniques de collaboration, ce qui donne tout son attrait à ce salon. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.